pas conclure. Une belle rentrée littéraire, ce fut une belle rentrée littéraire. Parmi les 550 ou 600 romans qui sortent actuellement, on a pu lire pas mal de critiques, voir des émissions de télé, et je ne suis pas sûre que les auteurs aient eu autant de chance avec une présentation aussi vivante. Voilà, donc, petit couronne, on est loin des flonflons parisiens. Mais là, ce qu'on vient de voir, c'est franchement une des présentations les plus intéressantes pour une lecture, hein, puisque vous avez le style de Cécile, porté par les paroles d'un comédien. Voilà. Et puis la danse, la musique, avec un instrument un peu particulier dont j'avais jamais entendu parler, mais qui s'appelle, paraît-il, une pipe. Et dont le musicien est Fanfan, j'en sais pas plus. Voilà, je voulais aussi remercier bien sûr les éditions Cogito, c'est un vrai privilège, je me dis que, ben voilà, moi j'arrive en fin de carrière, et je me dis, mais est-ce que ça pourra encore exister, des choses comme ça, grâce à des bénévoles, ils sont tous bénévoles, ils en veulent, ils défendent des textes, on a l'éditeur ici, on est en contact avec l'écrivain, c'est merveilleux. À ce propos, j'ai fait un petit clin d'œil, retournez-vous, il y a aussi Yvan Michotte qui nous fait toujours la gentillesse de venir à la médiathèque, hein, qui soutient bien sûr les éditions Cogito, qui est publié aussi, lui, chez Cogito, et qui vient juste aussi de sortir son deuxième roman après Rouge Turner. Pour Cécile, c'est le troisième. Et voilà, Cécile est petit couronnaise, donc sa place est ici, bien évidemment. Et merci encore pour cette belle lecture. Je voulais vous dire aussi qu'à Petit Couronne, il y a des gens qui écrivent, la semaine dernière qui écrivent, qui sont doués. Hein. Et encore une fois, c'est un petit peu loin de... On n'en parle pas forcément. Mais la semaine dernière, on a reçu Lia, qui a une magnifique galerie à La Bouille, et qui a sorti son troisième livre pour enfants dans sa technique très particulière. Elle travaille à l'encre. Donc j'ai un petit quelque chose pour vous, pour les gens qui ont eu la gentillesse de venir accompagner Cécile, les comédiens, notre petite danseuse, petit couronnaise également. Fanfan disait aussi qu'il était très ancré à Petit Couronne. Voilà, donc si vous prendrez un petit marque-page que Lia nous a laissé, et elle vous fera une petite dédicace originale, bien sûr. Voilà, si vous allez la voir dans sa galerie. Et puis Marie-Claude Ferrando, une artiste qui vient de sortir un livre, là, je l'ai eu hier ou avant-hier, voilà, sur les cathédrales, voilà. Et puis, pour remercier, un petit cadeau quand même, hein, vous les méritez vraiment, vraiment. Alors, il y a aussi des petites marque-pages dedans, évidemment, je ne parle pas de Pierre Corneille, voilà. Mais c'est aussi un illustrateur, de Petit Couronne, un monsieur Billard, qui a fait un style en bande dessinée pour encourager les jeunes à lire le style. Voilà, c'était Miché Petit à Petit. Et puis merci à notre jeune éditeur. Monsieur Simon. Alors que je ne me trompe pas. Pour Hélène, avec une jolie dédicace de Pierre Corneille. Hélène Thomas. Merci Hélène. Voilà. Et peut-être que notre comédien viendra un jour jouer le Cid. Ah. Oh, je connais ça. On en profite bien. Et puis, Fanfan. Voilà, il y a... Alors on vous invite bien sûr donc de discuter, profitez-en, c'est si rare d'être tellement à proximité des artistes comme ça. Donc vous pouvez bien sûr discuter avec Anthony, avec Hélène et avec Fanfan. Je suis désolée, Fanfan, j'ai pas je vais mémoriser tout ton nom. Voilà, avec Monsieur Sceau, Monsieur.
permets, je fais un petit peu. Tu parles de privilège en parlant de Cogito, je te rends le privilège parce qu'à chaque fois on est reçu admirablement bien ici. C'est un peu la maison de Cogito ici, avec la taille de petite couronne. Merci beaucoup Nadine, c'est la troisième, quatrième fois, je ne sais plus qu'on vient ici et à chaque fois. C'est toujours bien organisé. Toi et ton équipe, vous avez beaucoup de talent. Vous mettez toujours au service des auteurs et des éditeurs. Enfin, en tout cas, des autres éditeurs, je ne sais pas. De Cogito, moi, je suis bien servi. Donc, merci beaucoup. Une pensée, merci beaucoup aux artistes. Vous avez été vraiment brillants. Je connais un peu la Victoire Abao. Je sais ce que c'est et j'ai été impressionné par la Victoire Abao. La danse orientale, c'est pas trop mon style. Mais mon épouse en a fait, donc je suis allé régulièrement à des spectacles de danse orientale. Et alors, chapeau. Vraiment, chapeau. Vous êtes toute jeune et alors je ne sais pas ce que vous ferez plus tard, mais alors dans cette branche-là, vous êtes complètement dans votre. Et puis alors je ne connaissais pas cet instrument, voilà, je l'ai découvert, merci beaucoup, c'était vraiment très très agréable. On est habitué chez Cogito à essayer de faire des spectacles autour des livres qui sortent, alors ça peut être des lectures à voix haute, ça peut être des événements comme celui-ci. Ça met en valeur le livre, ça permet aussi la rencontre avec le ou les auteurs. Vous avez pu voir que chez Cogito, on est une famille parce qu'il y a une association qui s'est constituée il y a un an autour des éditions Cogito. Ce sont les compagnons de Cogito, il n'y a pas toutes les lignes ici présentes. Sans cette association, la maison d'édition aurait beaucoup de mal à tourner parce que l'association fait la promotion des éditions. Ça fait partie des événements comme celui-ci. C'est une promotion des ouvrages. Et puis vous avez vu aussi, Nadine l'a cité, il y a des auteurs parmi vous. Il y a Yvan Michotte, bien sûr, qui vient de sortir G.I. Istanbul, son dernier polar. Il avait à peine terminé qu'il m'en proposait un autre, que j'ai terminé aujourd'hui, qui est encore un chef-d'œuvre, je le dis. Même, enfin, c'est bientôt un chef-d'œuvre. C'est bientôt un chef-d'œuvre. Et puis, une autre auteure qui est ici présente, qui est un peu en retraite en ce moment, mais qui reprendra le flambeau parce qu'elle a beaucoup de talent. Elle n'aime pas qu'on parle d'elle comme ça, mais c'est bien sûr Alice Mana, qui est ici présente, et qui a beaucoup, beaucoup de talent. Alice, voilà. Vous nous faites un petit rond. Bon, elle ne voulait pas, c'était pas prévu, c'est improvisé, mais je pouvais pas. Je ne savais pas qu'elle venait, donc je voulais. Et puis j'en profite justement pour remercier Cécile pour toute l'organisation. Bien évidemment, je te faisais confiance avec ce nouveau roman et même le prochain, parce que je suis sûr qu'elle est déjà en train d'écrire. Hein, je le confirme. Et je précise que c'est son quatrième, voire cinquième, puisqu'elle a collaboré aussi à un recueil de nouvelles de Polar qui s'appelle Polar au sang, canard au sang. Voilà, c'est pour rappeler l'ancrage normand. Merci beaucoup, merci à tous. Alors, les éditions Cogito vous invitent à prendre... L'association, pardon. Je devrais le savoir pourtant. Voilà, on peut se retrouver pendant que Cécile va dédicacer, pendant que vous allez rencontrer les artistes. Il y a un petit pot qui vous est offert par l'association. J'aime bien ce mot-là. Voilà.